It's alive. It's alive. It's moving. It's alive. It's alive. It's alive. It's alive. It's alive. It's alive. Kidding. I haven't got the time to break any newcomers. Would you do this boy a favor? You better back up, pal. Your move, creep. Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission euh, L'Œil dans le rétro, une nouvelle émission donc produite par Cinefuz qui s'occupera donc des sorties classiques donc rétro, euh, tout ce qui sort et tout ce qui n'est pas encore sorti et on va essayer un petit peu de parler de, de vieux cinémas, on va dire de, de cinémas en noir et blanc en muet ou des cinémas un petit peu étranges euh, pour cette première émission et euh, eh bien j'accueille quelqu'un que vous connaissez très bien c'est euh, Fabien euh, salut à tous, euh, salut Romain, je suis ravi de, de te rejoindre pour ce premier reuil dans le rétro. Ça va être sympa. C'est ça. Euh, et ben je, oui oui, bah, je pense que ça va être sympa, surtout que cette fois-ci on a décidé un tout petit peu de, euh, à l'occasion de la sortie d'un coffret DVD il y a quelques semaines de Backfilm, de revenir sur et euh, sur la carrière donc Deadwood, Edward Junior Wood. Edward Edward Wood Junior. Edward Wood Junior, ouais, c'est comme ça qu'on dit. It is safe to state. That the grandchildren of some of the people in this theater will not be born on Earth Il y a un coffret chez Baxim qui est sorti en intégrale, donc toute la carrière d'Edwood, que ce soit les courts-métrages, films pas terminés. Euh euh, pilote télé et donc tous ces films, etc., euh, vont sortir. Euh, on va peut-être quand même présenter un peu Ed Wood parce que tout le monde le connaît pas, à part peut-être quand même par rapport au film de Tim Burton, donc Ed Wood. Euh, donc est-ce que tu peux le présenter, Fabien Oui, bien sûr. Euh, donc euh, Edward Davis Wood Jr., donc il est né en, en 1924 euh, à, à Poughkeepsie, en fait, c'est dans l'état de New York. Et en fait, euh, très rapidement, ça a été toujours un passionné de, de, de cinéma. Euh, de culture pop euh, qu était, euh, depuis qu'il était gamin quoi. et euh, il a été euh, notamment soldat pendant la seconde guerre mondiale d'ailleurs euh, il, a, il, a, il, a, il a dit qu'il avait plusieurs fois débarqué en, en sous-vêtements féminins, c'est un de ses titres de gloire apparemment voilà. euh, c'est un, un personnage assez, euh, assez complexe et à la fin des années 40, il tente le grand saut et euh, il s'installe à Hollywood pour être, pour être, pour être, pour être cinéaste et euh, Notamment et euh, donc euh, au début des années 50, euh, bah, il réalise son premier long métrage euh, Glenda euh, qui était à la base une commande. Ça devait être un biopic sur euh, euh, sur Christine euh, Christine Urgensen, qui était en fait euh, une des premières personnes à avoir médiatisé son changement de sexe, passé d'homme euh, d'homme à femme. Et euh, donc euh, ça a donné Glenuglanda, donc son, un film qui, a, qui alterne. Euh, qui alterne plan de Bella Lugosi en train de, en train de, de faire des, des espèces de monologues sur la vie, la mort, les individus dans la société, sur l'histoire de Glenn, donc, qui est joué par Edward lui-même, euh, un homme qui aime se travestir mais qui n'est pas homosexuel, et l'histoire d'un autre mec, Alan, qui lui va, va changer de sexe. Donc un film... Euh, assez étrange et puis ensuite bah, il va enchaîner euh, toutes sortes de films d'exploitation des films à Z à micro budget Ouais, faut... qui, qui vont lui valoir le, 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 le enfin le surnom de, du pire réalisateur de tous les temps. Ouais, c'est ça. Et c'est un ré... mais c'est un surnom qui est arrivé après euh, la fin de sa carrière, en fait. Lui, il est bien bien après. Bien il bien il bien est bien. un peu, il est mort dans le dans la dire, dans l'anonymat total. Hein. Il, Et, il est... euh, ouais, il est, il est décédé en, en 1978. Ouais. Tout à fait. -à euh... que, oui, euh, sur le canapé de, de quelqu'un qui le logeait, quoi, avec sa femme. C'est ça, euh, dans la dans la pauvreté euh, la plus totale, quoi, dans la misère. Il faut, faut dire aussi que c'est vraiment une. Euh, c'est un. Comment dire ça C'était une époque assez différente du cinéma d'exploitation qu'on a connu dans les années 80, 90, même 70. C'est-à-dire que c'était un cinéma qui se devait. Euh, enfin qui, qui jouait sur des sujets euh, chauds, en fait. Hein, donc, euh, là, tous de... ces films parlent de voilà, transsexualité pour le premier, délinquance, euh, euh, problème avec les jeunes, serial killer, et puis après, tous les trucs de fantômes, gore, etc. Mais qui étaient toujours sur les sur, avec des apparats de, moralisa de moralisateurs, en fait. Euh, ça. Tous ces films et, devaient euh, se justifier de montrer des choses qui, qui, qui seraient un problème pour la société. Tout à, tout à, tout à fait, ouais, ouais, il fallait une espèce de... Mais évidemment, c'était une... totalement euh, hyro... enfin, hypocrite, quoi. Et mais mais euh, on ne sait pas du tout, par exemple, chez Ed Wood, c'est-à-dire, vous avez des films qui sont totalement what the fuck, et en même temps, euh, totalement euh, avec des morales euh, qui sont, qui sont censées englober toute l'histoire, quoi. Tout à fait comme si euh, la fin du film en général, euh, qui était très moralisatrice, euh, devait contrebalancer euh, les sujets toujours un petit peu borderline euh, de ce que ça... Parce que ça a abordé quoi. Voilà, alors qu'on sait très bien qu'à l'époque, bah, comme tout le monde, avec, comme d'habitude avec le cinéma d'exploitation, euh, les gens qui allaient voir ces films, ils allaient voir ces films justement pour les sujets euh, brûlants de l'époque. Alors, qu on, ouais, ça. quand on dit sujets brûlants de l'époque, ça a beaucoup changé quoi. Oui, voilà. Donc, euh, juste pour le coffret un, intégral, il <coughs> y, euh, y, a, y, a, y a pas mal de films. Hein, donc, euh, mm. tous les films dans le coffret de films ne sont pas des films réalisés par lui, parce qu'il a aussi été scénariste. Mm. Euh, mais on va dire qu'il y a un peu, c'est un truc guillemets, chef-d'œuvre euh, du cinéma. C'est ça, ça qui est bon. Tu as, tu as tous ces films, on va dire, tous les longs métrages recensés réalisés par Ed Wood, plus d'autres films, qu'il a soit produits ou, euh, ou écrit. Et c'est vrai qu'il ça, ça, y a quand même assez, assez de, de, de documents et de pépites assez uniques dans ce coffret. Euh, ouais, donc euh, on va peut-être en, en évoquer quelques-uns déjà. Enfin, on va essayer d'évoquer les, les, euh, les gros morceaux de sa filmo. Euh, ouais. Donc il y a Glen ou Glenda, donc, comme on en a parlé au début, qui est donc son premier film. Premier long métrage, ou pour le coup il est, euh, il, est euh, il est, scénariste en plus et euh, acteur principal. Il s'appelle, euh, il a un pseudonyme dans ce film. Il s'appelle Daniel Davis, mais euh, c'est lui en fait. Ouais, et euh, ce qu'on voit déjà, donc effectivement, il y a déjà l'apparition de bella Lugosi. Donc euh, Ed Wood, c'était un fan de cinéma de genre, qui a, qui, a, qui a vécu avec tous les films de la Universal de l'époque et euh, donc euh, au moment où il rencontre Bella Lugosi bon, ce qu on qu'on voit un petit peu dans le film de Tim Burton mais c'est très romantisé enfin c'est très oui, c'est ouais, oui, très bien romancé bien sûr, bien sûr. Euh, en fait il est euh, il est vraiment au bord du gouffre il est euh, il est plus du tout connu et euh, plus personne ouais. ne veut lui surtout qu'il est euh, euh, héroïnomane je crois enfin en tout cas il est euh, histoire de cure de désint... il va passer dans des cures de désintoxication durant euh, les derniers films qu'il fait avec Ed Wood. Et on sent que... Alors, dans le, dans le film, en fait, on a la fameuse scène qu'on avait chez Tim Burton aussi où on, on le voit dans un fauteuil en train de présenter le film et il fait euh, « tirer les ficelles, tirer les ficelles ». Et ça ne veut strictement rien dire avec des fondus enchaînés sur des stock shots, etc. Euh, et on sent quand on voit le film, effectivement, que c'est un truc qui a été fait, mais juste pour... Euh Enfin, il était tellement content d'avoir Bella Lugosi qu'il a, euh, a utilisé Bella Lugosi n'importe comment en fait. Et, et le film est comme ça en fait. C'est un film où tu as l'impression que d'une scène à l'autre, tu passes d'un... Tu, tu as carrément des, des hors-sujets, des, des choses que... Enfin, on se dit, le, le mec a été euh, sans limite, quoi, sans barrière. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. En fait, Lugosi, euh, il était, euh, était un mélange de morphine en fait. Euh, parce que euh, il, il avait été blessé pendant la Seconde Guerre mondiale et du coup depuis, bah, il devait se shooter régulièrement euh, pour atténuer la douleur. Mais bon, du coup, ça s'est transformé en addiction. Et en fait, il faut savoir un truc, c'est que en 1953, le dernier film respectable que Lugosi avait fait, euh, c'était quand même à euh, et Costello contre Frankenstein. Ouais. C'était déjà qui, bas. Quoi. Qui, voilà, qui dé... Non, non, non qui a un bon film, tu ah, vois, oui. mais qui date de 1948. Donc ça fait cinq, dans lequel. Il parodie son rôle de Dracula et si tu veux, le mec, ça fait 5 ans en gros qu'il est dans une espèce de déche totale. Et c'est vrai qu'on a d'un côté Ed Wood qui est tellement content de l'avoir et de l'autre Lugosi qui est content de retrouver du boulot que du coup, il bah, y a un contact qui se produit entre, entre ces deux mecs-là, il y a une amitié qui naît et c'est vrai qu'il y a une espèce de, 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 de mélange comme ça, de contraste dans Glenn ou Glenda entre le, le, enfin, as le film d'horreur qui est représenté par Lugosi. Qui est dans un laboratoire en, en tenue de soirée, quoi, qui dit des choses euh, qui n'ont rien à voir avec euh, le reste du film. Et c'est vraiment dingue. On a l'impression que Lugosi, c'est une espèce de dieu qui, 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 qui parle des sujets de, de, de changement de sexe, tout ça, sous l'angle scientifique. Alors que je suis sûr que Lugosi euh, ne veut même pas savoir dans quel film il est tourné. Hein. Euh, et et, et par-dessus, tu, tu, tu poses comme ça l'histoire de ce mec qui veut changer de. De sexe, et, enfin de sexe qui, 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 qui hésite de dire à sa, à sa femme qu'il aime s'habiller en femme, c'est très très bizarre hein, parce qu'on a des, comme ça des espèces de de, 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 de de comment dire de je cherche le mot de, de de moments comme ça où on part dans le métaphysique avec le diable qui arrive euh, lui-même, euh, donc Glenn se confronte à, se confronte à, sa, à sa figure féminine. Enfin, c'est très très bizarre. On a des images qui anticipent euh, limite euh, une espèce de cinéma underground qu'on verra plus tard. Euh, les happenings de certains plasticiens ou même de, des fois du Lynch par moment, c'est très. Euh, bah oui, c'est ça, mais, c est, c est mais Mais fait de manière assez naïve. Parce que ce qu a fait Fou avec le film, c'est que il est à la fois totalement dans l'exploitation, c'est-à-dire qu'en gros. Tout ce qui lui tombe sous la main, et on sent qu'il l'utilise pour en faire quelque chose. Euh, parce que ça peut faire euh, venir des gens. Je vais prendre Nugosi parce que je l'aime bien. Euh, ça, ça ça va faire venir les gens parce que c'est le changement de sexe. Et puis en même temps, ah bah, parce que, donc effectivement, Ed, Ed aimait bien s'habiller en femme, ce qu'on voit dans le film avec Johnny Depp. Et. Euh, donc du coup il, 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 il en fait aussi une déclaration sur le fait qu'ils se déguisent en femme et que c'est cool, etc. Donc c'est un mélange de euh, velléité artistique mmh. et, et de pure, euh, de pure euh, exploitation euh, mal placée en fait. Notamment il y a une scène de, de danse qui dure, mais je ne sais pas, 10 minutes, enfin elle est super longue. Euh, ah, oui, tout à fait, Au euh, milieu où il ça. utilise des stock shots de Bella Lugosi, dont on sent très bien qu'il regardent même pas le, la, la danseuse, et, euh, et c'est juste parce que tu dis ok, c'est parce qu'ils voulait bal balancer une scène de danse euh, en milieu parce que ça fait ça fait ça va ça va titiller les, les mecs qui vont voir le film quoi. Mais ça n'a aucun sens. Ça. ça <laughs> aucun a... sens. Non mais c'est marrant parce que dès le début du film, t'as un contraste puisque à, à la fin du générique, t'as une espèce de de, de, de carton avec un long message qui te dit euh, Oui, ce film va se traiter d'un sujet novateur, d'un sujet étrange. N'oubliez pas, pas, spectateur vous êtes la société, ne nous jugez pas. Et, et, et est, le film commence, tu vois, Lugosi avec, euh, sur fond de musique d'horreur qui, qui parle de, des gens qui circulent. Euh, enfin, c'est très, 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 très bizarre. Mais c'est fascinant. C'est fascinant parce qu'il y a des expérimentations de montage, des expérimentations visuelles, et surtout cette capacité toujours d'alterner de, des stock shots. Euh, euh, qui n'ont rien à voir avec le, le schmilblick et l'histoire qui se passe. Je pense à Lugosi en train de parler sur fond de, de bison, en train de, en train de courir dans la nature. C'est très, 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 très bizarre. Hein. Mais non, tu, tu vois pas forcément. Tu vois le sujet, tu vois de, de ce qu'il veut parler. Mais tu, mais tu ne sais pas pourquoi il y a tout ce truc euh, ce truc autour et effectivement comme tu dis il y a une espèce de schizophrénie entre euh, le film à message et le film d'exploitation pure et dure ouais et ça ça va un peu parcourir toute sa filmo ce qui est intéressant effectivement <coughs> dans le dans le coffret il y a un documentaire euh, euh, donc un documentaire qui a été tourné au moment de l'étrange festival donc par Backfilm où ils interrogent mmh. plusieurs réalisateurs donc notamment euh, Guy Madin, euh, Marc Caro euh, Lucia Izavovici qui sort un film là prochainement euh, et Hideo Nakata, Ben Wintley. Et donc tous ces gens parlent un tout petit peu de leurs euh, sentiments face à Ed Wood. Et on sent que beaucoup de gens euh, euh, se sentent une sorte de. On va dire de. Euh, de, de ils, ils sortent une sorte de, de ressemblance avec Ed Wood. Il y a l'impression qu'il y, y a un fond chez Ed Wood qui est très euh, honnête, qui est très sans filtre, en fait, chez lui. Et qui, en fait, représente un peu les. Bah, la, la, un peu la schizophrénie de certains réalisateurs. Et puis, parce qu'on a, a toujours beaucoup dit que Tim Burton faisait Ed Wood en se disant euh, que c'est ce qu'il avait peur de devenir ou quelque chose comme ça. Mais ce mmh. qui est en fait plutôt intéressant chez Ed Wood, et en fait personne ne considère ce mec comme étant le pire réalisateur du monde, c'est plutôt que c'était un, un, peut-être un des premiers dans le cinéma d'exploitation à avoir une telle envie artistique et en même temps euh, qui, qui essayait absolument de, de, de faire un film coûte que coûte alors qu'il n'en avait pas les moyens. Et peut-être pas le talent aussi. Et, et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve chez euh, dans Ed Wood et qu'on retrouve d'ailleurs dans le dernier film de Tim Burton, c'est-à-dire cette schizophrénie euh, avec le peintre là, cette schizophrénie de, euh, en même temps, je veux faire du, je, je veux faire quelque chose de finalement d'exploitation, de, de financier, de commercial. En même temps, je veux dire des choses. Et, et, et c'est quelque chose en fait qu'on voit dans le documentaire qui en fait touche tous les tous les réalisateurs de n'importe quel bord en fait. Ce qui est marrant, c'est que le, le scénario de Big Eyes euh, a été écrit par les scénaristes de Ed Wood. Oui, pense. voilà, mais c'est pour ça, oui. Et en fait, c'est à ça que euh, finalement se rapproche Ed Wood, et on sent ça qu'il est touchant, c'est que c'est peut-être un mec euh, dont la personnalité était un peu trop bizarre pour faire des films d'exploitation. Ce qui fait ouais, que ouais, euh, voilà, ouais, bah, tu tout peux tout pas fait. voir ces films en disant Glen ou Glenda, et à un moment tu te dis, il y a quand même des trucs presque touchants, quoi. Il y a des trucs presque parce que tu sens euh, le il y a des n'importe qui qui a essayé de faire des films va, va voir euh, un peu euh, va voir le va, va se reconnaître dans certaines choses mal, malgré le malgré le le le, 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 le gooby -gooby euh, ce que c'est quoi c'est vrai que quand tu vois ce, le docu donc qui a été réalisé par Karine Bac et Yannick Del Delay euh, t'as as, as une, une capacité enfin tu vois, tu vois tous ces réalisateurs notamment Guy Mazin qui a vraiment drainé euh, ces films de Héwood parce que ils sentent aussi un un lien avec l'artisanat euh, bah, qu'on voit dans les films Wood, c'est-à-dire la, la, la capacité à fabriquer des choses et à les mettre en scène, quoi. même si certaines choses ne marchent pas, même si beaucoup de choses ne marchent pas, il y a la satisfaction de dire j'ai réussi à mettre ça en boîte quand même. Oui, c'est ça. Et puis, euh, oui, voilà, et ça, c'est un truc que n'importe quel mec qui a fait même un petit court-métrage va, va se reconnaître dedans. Euh, donc, du coup on va un peu continuer sur sa filmographie parce qu'il a, a, mm -hmm. mm -hmm. a fait quelques autres films donc Jai bates, qui est le deuxième film en fait euh, qu'il a réalisé qui est un film noir euh, tout assez euh, assez classique et ouais. qui justement est un peu en contresens de tout ce qu'on pense des doutes puisque ce film est euh, finalement euh, ressemble à une série b c'est vraiment une série b classique euh, comme on en peut voir dans, dans, à ces époques là qui sont ni incroyables ni forcément euh, euh, qui sortent du lot en fait ça, ça ressemble à ça serait une série télé euh, passable enfin passable euh, chez Hitchcock présente par exemple mmh. on suit un le fils d'un docteur qui euh, devient criminel et qui se fait et le, le on va dire le le, le camarade euh, du criminel un autre criminel qui va faire chanter le, le père pour euh, qui sauve son fils. C'est un film un peu bizarre qui dure une heure dix, mais qui est finalement pas si mal et qui montre que Ed Wood, euh, quand il avait envie de faire quelque chose de très euh, logique et très simple, finalement il n'y avait pas vraiment grand-chose. Enfin, il pouvait très bien euh, faire un truc assez sobre en fait. C'est juste c'est pas ce qu'il voulait faire en fait à mon avis. Bah c'est marrant parce que c'est c'est, euh, ça de mes préférés moi celui-là. Et euh, c'est drôle parce qu'on est dans une époque. Alors c'est l'époque un peu post Sunset Boulevard. D'ailleurs il reprend une scène un peu à la Sunset Boulevard qui se déroule au bord d'une piscine, euh, à la fin. Et c'est marrant, parce que moi je trouve que cette histoire de, de criminel, qui euh, veut changer de visage, euh, ça rappelle justement certains films des années 40, donc il y a un côté un petit peu, ouais, un petit peu à l'ancienne aussi. Très très simple, très épuré comme histoire, et euh, je trouve que c'est un film qui fonctionne relativement pas mal. Euh, là où, où le film, on va dire, pêche pour moi, c'est... <coughs> C'est que Ed Wood il a toujours un problème pour bosser avec les acteurs, hein. il n'arrive jamais à attirer des de bonnes choses de ses acteurs et, et des fois ça se voit dans, dans ce film là soit les mecs ils jouent pas, soit ils en font des caisses, donc des fois c'est un, un, un peu étrange. Curieusement, la scène la plus cheap pour moi c'est la scène du début qui se passe dans le commissariat, on voit carrément un portrait d'Ed Wood dans le commissariat. Et euh, non, il y a des choses intéressantes, notamment la musique, alors la musique est une, une espèce de, de flamenco qui tourne en boucle pendant tout le film et ça devient très vite énervant. En fait, elle a été issue d'un autre film, euh, un film que j'ai vu, euh, une, espèce, voilà, une petite série B, enfin voire même série Z, qui s'appelle Messa of the Lost Woman, qui est un film de, avec un savant fou euh, qui se passe dans le désert. Donc du coup, ça justifie le flamenco. Mais là, tu, le mec a repris la musique et il l'a recyclé. Ouais, mais c'est ça, en... c'est bah, le truc Deadwood, quoi. C'est le côté. Euh... C'est le côté je, je recycle tout ce qui, est, qui me tombe sous la main C'est-à-dire c'est vraiment l'inventeur du mec qui a utilisé des stock shots euh, à tort et à travers euh, ouais, euh, à dès qu'il pouvait quoi. Et donc, tu donc tu même les musiques tu, quoi. Euh, C'est-à-dire pas la même musique pendant une heure et demie quoi. Ouais, je pense que c'était me... surtout parce qu'il avait pas c'était un moyen de réduire le budget. Hein. Il, y a, il y a quelque chose de très économique chez lui euh, qui est dingue Et pour l'anecdote je C'est euh, Bela Lugosi qui devait jouer le rôle du, du savant donc du père. Mais euh, ça ne s'est pas fait, donc du coup, il a, il a appelé un autre acteur. Il était en ouais. cure de dédain je crois. C'est ce que j'avais lu euh, par euh, rapport à celui-là. Euh, il me semble que. Attends, c'est quoi 54 Ouais, ah, je crois que tu as raison. Hein. Ouais, je crois. Et, et... Déjà, mmh. ouais, et donc, justement, il... Lugosi va revenir pour son troisième film, et qui est l'un des plus connus, qui est Bride of the Monster, qui ouais. est vraiment l'un des films cultes de la filméo Deadwood. Euh, notamment parce que le film de Tim Burton euh, le met beaucoup en avant, celui-là. Parce que c'est le fameux film avec la on voit Bella Lugosi euh, se débattre avec la, la, la fausse pieuvre en caoutchouc et euh, alors c'est un film de savant fou euh, avec un qui est dans un une espèce de savant qui veut créer des hommes atomiques et surhommes atomique les voilà, sur donc qui est interprété par Bella Lugosi ouais. qui avec lui une sorte d'igor qui est interprété par un, un grand catcheur chauve qu'on voit aussi dans le film Deadwood qui est, euh, qui est un type qu'il a recruté euh, juste pour son physique euh... qui est absolument hallucinant parce que ce mec ne, ne, ne sait pas jouer quoi enfin c'est un truc hallucinant c'est Thor Johnson c'est ça euh, et c'est là que ça Catcher suédois c'est là où on commence à voir la famille Edwood un peu quoi euh... oui oui il va rassembler sa, sa bande de bras cassés euh, avec lui hein. oui c'est parce qu'il n'y avait pas que Edwood c'est vrai que c'était hein, c'était un groupe quoi euh, et donc euh, donc pour le film voilà c'est un savant fou il crée des anatomies et je sais pas pourquoi là dedans il y a une il y a un, une pieuvre géante alors, pieuvre géante, qui, euh, parce qu'encore une fois, ils utilisent des stock shots qui, quand il, tu le regardes à travers le hublot, c'est une pieuvre somme toute classique qui a été filmée dans un aquarium. Et quand tu... Euh, quand il rentre dans le, dans le sas où il y a la, la pieuvre, là, c'est une pieuvre en caoutchouc mais qui ne bouge pas. Donc, du coup, okay. les, les mecs qui sont attaqués en fait, ils utilisent la, les, euh, les bras de la... Te, enfin, les, 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 les tentacules pour se... Comme s'ils se faisaient... Comme s'ils se débattaient, quoi. Donc, vraiment, le, le truc mmh. le plus kitsch et le plus euh, improbable du monde, mais ça fait... Euh, ça fait le film. Il y a aussi une scène très bizarre dans le film où euh, Bela Lugosi, donc qui est vraiment à la fin de à la fin de la fin, quoi. C'est-à-dire qu'il est vraiment, euh, il est oh à, à peine, euh, il est à peine capable de, de dire trois lignes sans euh, regarder la caméra ou sans euh, faire une pause. Euh, et euh, en fait, il il hypnotise une journaliste. Et euh, c'est euh, c'était totalement what the fuck, quoi. n'y enfin, a pas grand chose à dire d'autre. C'est juste, tu te, en fait, tu, tu sens qu'ils ont le budget pour rien. Donc il n'y a même pas un un, un plan pour te montrer qu'il hypnotise. Il dit mais maintenant je t'hypnotise. Elle a, dit, a, ok, <laughs> c'est tout. Il voilà. y a certains trucs sur ce film qui sont intéressants c'est que Belugosi n'a jamais euh, pataugé euh, avec la pieuvre euh, dans le film. Hein. Ça, c'est un truc que, que Burton a mis en scène, mais on voit très bien que c'est un cascadeur euh, qui patauge avec la pieuvre euh, à la fin du film. Euh, première chose. Euh, deuxième chose, il euh, faut savoir que. Cette espèce de geste que Lugosi fait pour euh, euh, manipuler ses victimes, là il, 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 il met sa main dans son autre main, ça vient de White Zombie, le film de 1932, euh, qui était un geste dans lequel, euh, que Lugosi faisait pour manipuler des zombies en fait. Et euh, c'est marrant parce que Ed Wood reprend ça alors que, que ça n'a aucun sens dans, dans Bride of the Monster, c'est-à-dire le mec est censé être un scientifique. Je ne sais pas si c'est un physicien atomique, je ne sais plus ce que c'est. Mais il n'est pas censé être hypnotiseur non plus, tu vois. Donc, euh, il amène tout et un peu n'importe quoi parce que c'est Bela Lugosi. Bela Lugosi, d'ailleurs, le pauvre, quand tu le vois en deux ans ce qu'il est devenu, autant dans, dans Glenn ou Glenda, il a l'air en forme, tu vois. Il a le, le visage bien rempli, tout ça. Et là, tu le vois dans ce film-là, il est complètement desséché, le pauvre. Bah, c'est après que... la, la cure de désintox, hein, c'est mmh. ça aussi, ouais. Mais il a, il a à un moment donné un, un monologue qui est, qui est très touchant quand il parle du fait qu'il a été euh, banni, euh, mis de côté, chassé par euh, par les gens de sa patrie et qu'il va vouloir conquérir le monde. Je trouve qu'il y a un côté un peu un peu touchant. Il y a une honnêteté euh, qui transpire à ce moment-là dans le dans le film. Oui, bah, disons que le, le film ils sont tellement euh, à plus, euh, comment dire, à faire ça un peu à l'arrache. Euh. Et puis en fait, on reconnaît aussi le côté fanboy de, de Ed Wood quoi, qui ne veut que avoir Bella Lugosi. Euh. Peu importe l'état oui, parce que euh, au final, même dans le film, dans, deux films après, il va même carrément l'utiliser après sa mort. Donc c'est à dire que peu importe dans l'état de Bela Lugosi, il l'utilisera quoi, parce que c'est un fan de, un fan du mec quoi. Ouais, est... Et puis Lugosi, le, le il était sorti de sa désintox, euh, gonflé à bloc. Hein. le mec qui, il, il se disait, euh, je vais refaire des films, je vais refaire des séries télé euh, avec Edou, on va, on va se refaire ensemble. Il y avait vraiment un, un projet ouais. un qui devait s'établir. Et Lugosi va, va décéder l'année suivante, en 1956. Mmh. Euh, Celui-là, je le trouve intéressant, moi, euh, *Ride of the Monsters, parce qu'il y a des choses visuellement qui sont assez jolies, genre le, le premier plan euh, où tu vois cette maison euh, sous une pluie battante. Il y, y a des choses assez, euh, assez belles par moments, euh, mais c'est tout le temps. Edou, il peut faire un super plan, et après, il peut te, te l'intercaler avec un plan qui a rien à voir, genre le plan où, Lugosi, enfin, à la fin, euh, tu as des plans de Lugosi. Euh, le visage un peu défiguré euh, qui fait des espèces de grimaces pendant qu'il se fait tirer dessus enfin fait, des, des trucs très très bizarres hein, dans ce film d'ailleurs d'ailleurs à la fin quand euh, Lugosi oh, c'est pas un spoiler Lugosi devient lui-même un, un surhomme atomique il est remplacé par une par une doublure qui fait euh, six têtes de plus que lui tu vois ouais de toute façon Edouard avait un vrai problème avec les, les, les dimensions et les proportions de bah, des gens des créatures de tout en fait hein, parce que c'était pas quelque chose qui qui le préoccupait ou alors je ne sais pas et euh, ben juste après, donc a, là dans, dans le coffret, on a deux autres films qui sont des films euh, écrits ou produits par lui, comme The Valenteers. Donc je passe très vite, qui est un film euh, de délinquance euh, féminine, qui est, est pas, très, qui est, qui, est très, très qui, est, ouais, qui est plutôt intéressant. Et puis on a aussi euh, The Bride of the Beast, donc la fiancée de la jungle, euh, qui est le seul film avec euh, une VF euh, dans, le, dans le coffret. Ouais. Euh, la, la preuve, nous on l'avait vu au cinéma euh, à, à la nuit excentrique euh, à Cinémathèque Ouais, tout à fait, ouais. et euh, donc c'est un film écrit par Edouard qui est totalement délirant euh, <laughs> en fait c'est juste que le pitch c'est euh, une femme qui se rend compte que euh, elle est la réincarnation d'un singe d'un gorille euh, de ouais. Ouais, sauf que c'est pas euh, comique hein, c'est un truc fait super sérieusement euh. premier degré premier, premier degré, degré premier degré on se dit euh, bon bah le même scénario fait par, euh, fait par un comique maintenant ça ferait un truc de fou et là c'est on se dit mais qu'est... Quelle idée il leur est venue par la ah, tête euh, Comment quelqu'un a, a pas levé le doigt dans l'équipe en disant euh, je crois que c'est je crois que c'est pas possible les gars, faut, faut arrêter. Je ne sais non non c'est dingue, c'est un film euh, vraiment euh, premier degré qui se la joue euh, psychanalyse plus euh, euh, métapsychose tout ça, voyage dans les voyages dans les vies antérieures et tout ça. Tu, tu te dis mais waouh. Wow, euh, euh, qui, 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 enfin, qui, qui a accepté de pondre un film, un film comme ça Et c'est vrai que le, le film est, est fascinant là-dessus. Je pense que c'est le film le plus fascinant. Euh, du, du coffret hors des films que qu'il n'a pas, pas réalisé euh, d'ailleurs vous pouvez trouver aussi ce film dans un autre coffret dans un double dans un double programme SF que Bach a sorti avec Nabonga qui était un film de gorille des années 50 qui a, des années 40 pardon qui a, qui a rien à voir mais c'est vrai que la science de la jungle c'est à voir surtout dans sa VF où ils disent à chaque fois oui. euh, la, la jungle oui surtout qu'au début où elle passe 10 minutes à lui demander si elle peut enlever la capote moi je trouvais ça très sympa oui, oui, parce qu'ils qu arrivent de leur, de leur mariage. Ouais, euh... ouais, il ouais, y a tout un truc. Non, il y a, un, truc, y a, y a euh... un phrasé très à l'ancienne dans, dans le film. Mais il y a, y a un truc, qui est vite fait, après on conclut. Il y a un truc qui est un peu rafraîchissant dans, dans, dans le film, c'est que euh, genre la, la, la femme, quand elle voit le gorille, elle ne crie jamais, tu vois. Au contraire, elle est, elle est fascinée, elle, elle s'approche de lui, elle le touche, tout ça. C'est assez, assez intéressant. Euh, mais ça peut être pas mal, effectivement, dans une soirée avec d'autres films de gorilles, avec comment ça s'appelle le film Avec les gorilles intelligents, là. Euh, merde. C'est pas... Et Congo Congo. Ah oh, putain, Congo. Congo. Ça plus Congo, euh, je pense que vous, fait, vous faites plaisir, quoi. C'est intéressant. C'est ça. Ou alors, euh, ou alors ça plus euh, plus la féline pour voir c'est quoi la différence entre <laughs> quelqu'un qui se transforme en animal et... Voilà, hein, la différence entre les deux. Euh, tu, fais, tu, fais, tu fais le grand écart euh, film animaux psychologiques avec euh, un Jack Turner. Oui, un Jack Turner et, et un euh, une production et d'autres, quoi. C'est assez fou. Euh, en fait, donc, ensuite, donc du coup, on passe à une nouvelle réalisation d'Ed qui est Night of the Ghoul, qui est moi un de mes préférés, mm -hmm. euh, surtout visuellement en fait. Alors c'est plus ou moins une sorte de suite spin-off de Bride of the Monster puisque ça se passe dans le même château que l'autre, que la, la mais genre une dizaine d'années après, quelque chose comme ça. On, ça. on retrouve certains personnages secondaires qui sont notamment le un, un flic débile qui fait une enquête et je sais pas, t'as l'impression que, que euh, Ed Wood le kiffe, mais comme tu m'avais raconté, en fait, effectivement, on le voit d'ailleurs. Euh, en fait, il a pris des stock shots d'un pilote de série télé qu'il avait euh, qu'il a qu'il jamais réussi à produire. Euh, c'est le film le plus lynchéen hein, de. Écoute, <laughs> Nicolas Ouais, ouais, ouais. Il avait récupéré les les, les, les images d'un pilote qui s'appelait Final, Con... Final Curtain, euh, qui est dispo d'ailleurs dans le coffret, qui est un, un petit un petit bijou atmosphérique. En fait, c'est un, un, un metteur en scène de théâtre qui déambule justement dans un théâtre euh, abandonné le soir après. Euh, euh, après la représentation d'une pièce, je crois que c'était un truc sur les vampires. Et en fait, c'est un, un jeu de son et de lumière, euh, un jeu d'une espèce de parano euh, dans, dans, comme ça dans, dans ce théâtre abandonné qui est très joli. Euh, je dirais quand même euh, qu'il qu est un petit peu pourri par la, par la voix-off constante euh, qu'Edwood pose dessus. Une, une voix-off qui n'est pas, pas très utile. Mais euh, ce que je trouve assez intéressant, avec, euh, ouais, comme tu disais sur Night of the Ghoul c'est que ouais on parle dans des délires expérimentaux assez, assez dingues euh, des, des travaux sur les ambiances euh, tu t'attends presque à te la jouer euh, à te la jouer Twin Peaks avec un, un nain qui danse sur, une, sur un fond c'est ça il euh, y a un notamment une ça. scène de, de spiritisme totalement hallucinante <coughs> euh, parce que ça on joue sur un mec qui est un spiritiste en fait mais un arnaqueur en fait qui... c'est le, le docteur Acula voilà le docteur Acula euh, et, euh, et c'est hallucinant enfin, vrai que un film. et puis c'est vrai que c'est un film qui visuellement maintenant euh, on arrive à des trucs où parce que maintenant c'est l'époque et qu'il a ce côté un peu rétro euh, du cinéma euh, du cinéma d'exploitation enfin du cinéma de genre, d'horreur de ces époques là c'est <coughs> des plans qu'il y a des gens qui adoraient faire maintenant et qui le feraient euh, avec un pas un second degré mais un côté un peu décalé maintenant, il y a des plans que tu peux retrouver facilement dans euh, euh, c'est très mélangé c'est des plans que tu peux retrouver chez Ed Wood chez Guy Madin euh, ou genre Rollin quoi hein. c'est c'est de la fumée avec des arbres quoi et avec des tout gens ça qui marchent mais euh... avec, les, avec les mecs éclairés euh... mais tu peux pas t'empêcher de en trouver con ça con beau con quoi con parce con con que en ayant vu tous ces films de Burton de, des films de genre après qui faisaient référence et tout quand tu vois ces scènes où t'as une fille qui marche euh, même si ça n'a aucun sens, une fille qui marche, une blonde ou une brune, dans la forêt avec, des, avec plein de fumée et les arbres, etc. Et tu sais que c'est un truc d'époque qui date de plus de 50 piges et tout. T'es là en train de te dire, ben c'est quand même beau, ça me fait plaisir à voir. C'est un truc.. Il euh, y a quelque chose de, de crédible, en fait, que, qui serait difficile à avoir maintenant, parce que maintenant, euh, on passerait sur fond vert, etc. C'est assez... Euh c'est assez étonnant en fait, et c'est un film assez... Moi c'est le film que j'ai le plus suivi, hein, parce que les films des deux sont assez durs. Celui-là, mmh. euh, celui il va assez vite, il ne euh, m'a pas captivé, mais j'étais rentré dedans. Il me faisait penser à un autre film aussi, euh, euh, qui s'appelle Carnival of Souls. Je sais pas si tu vois le... Oui, 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 oui tout à fait, le film qui se, qui se déroule dans le, dans le parc d'attractions désaffecté là, avec les mecs en blanc, là. Voilà, c'est un film des années, euh, à peu près de la même époque, dans le même type, en noir et blanc, et c'est mmh. un, une série B. Mais c'est un... une série B assez réputée, quand même une édition Critérion, etc. Euh... Ouais, fait. Et en fait, elle est réputée parce qu'on a un peu toute la... C'est un peu l'origine le... euh, zéro de, euh, de David Lynch. C'est-à-dire qu'on sent que David Lynch a vu ce film. C'est-à-dire qu'on retrouve le côté rétro, années 50, années 60, et, euh, et on retrouve... Euh... Euh, cet aspect un peu horreur, horreur un peu étrange. quoi et le, Les deux films se, se ressemblent pas mal quand même. Parce que Night of the Ghoul est évidemment pas aussi bien que Carnival of Souls, mais Carnival of Souls est quand même une série B qu'il faut voir en se disant c'est quand même une série B. Quoi. Euh, un peu dans la même époque, dans le côté très exploitation en fait. Oh, ça a été fait après hein, Carnival of Souls. Hein, ça 5-6 ans après. Mais ils avaient peut-être vu, peut vu Night of Cool. Hein ah, c'est possible, mais c'est vrai qu'il y, y, y a des choses. Moi j'aime beaucoup, je pense, à, à ce plan avec un, un acteur afro-américain qui... Qui incarne une espèce de démon qui entre en communication avec eux, il a une, sa voix qui est complètement déformée. Où on a ce plan avec une trompette comme ça qui, qui ouais. flotte dans le vide, en, qui, flotte en, qui dans joue le tout ville, seul. Ouais. On voit des squelettes à table, mais personne ne se pose la question de savoir pourquoi il y a des squelettes. En fait, il y a des choses assez, assez drôles dans, aussi dans ce film, parce qu'il y, y a de l'humour en fait, le, les, les blagues fonctionnent en fait. Euh, ouais, ouais, pense. ouais. Et puis il y a le côté un peu. Oui, parce que c'est vrai que c'est un film qui est un peu plus drôle que les autres. Et il essaye d'être un peu humoristique le film. Parce que c'est sur des arnaqueurs. Donc du coup, as la, ta crédibilité elle est moins compliquée qu'avec euh, des films euh, où il se prend trop au sérieux. C'est ça. Euh, ça. Euh, donc juste après, et ben, euh, même si elle a été tournée avant, on va passer à. Et il sort hein, le, son, son chef-d'œuvre, on va dire. Son, son manifeste voilà. Le manifeste Plain Nine from Outer Space. Ouais. Euh, donc film euh, absolument euh, fou. Euh, taré, euh, que tu qui est même difficile à résumer. Alors, film qui passe dans n'importe quelle euh, soirée euh, bis, euh, nanar, euh, de ce que vous voulez. Euh, qui a fait l'objet de 360 000 éditions euh, cassettes et DVD déjà. Ouais, c'est ça. Il bon, n'y euh. a pas de Blu-ray de, de ce film euh, Non, ça c'est bizarre. Euh. Euh, en France, je ne sais pas, aux USA euh, peut-être, euh, à vérifier mais bon je vais, je vais vérifier pendant que c'est un film pas. qui est tellement devenu célèbre en fait que bon voilà c'est un peu le film qui a dépassé euh, tous les films euh, Planet from Outer Space c'est je pourrais même pas expliquer le film c'est sûrement le film le plus ambitieux de, de Ed Wood et c'est en ça que c'est un film totalement euh, fou et euh, totalement non sensique c'est que euh, bah, c'est un film qui en gros va mélanger euh, film d'horreur plus film de science-fiction. On va, on va parler d'invasions extraterrestres qui, veulent, qui, pour envahir la Terre, décident de déclencher le plan 9. Et le plan 9 constituant à euh, ressusciter les morts euh, et, à, et à créer des zombies, en fait, pour euh, tuer les, les gens de la Terre. Sauf que, bon, les, les, la résurrection des morts, l'invasion se, se résume à trois personnes. À trois Ça. morts qui ressuscitent. Donc, ce qui n'est effectivement pas énorme. Euh, donc, du coup, vous avez un mélange entre des mecs, des extraterrestres dans des secoupes. Tout le monde a ses scènes, hein. même les extraterrestres dans les secoues ont des velléités politiques. C'est ça qui est assez ouf. Et, euh, et vous avez des inspecteurs, vous avez euh, Béla Lugosi, Lugosi dans le film. Donc, Béla Lugosi dans le film, c'est en fait le Béla Lugosi est mort euh, juste avant le film, en fait. Mais euh, euh, Ed Wood avait tourné des, des, des essais euh, costumes avec lui. Et, euh, et il a, et est aussi dans les quelques scènes mais un peu à l'arrache avec une petite caméra etc et donc Ed Wood en mmh. bon en euh, bon repreneur et, et mec qui, euh, qui en bon, bon recycleur il va utiliser les, les, les images de Béla Lugosi alors que c'est vraiment rien quoi c'est 10 secondes d'images quoi et les ajouter dans, dans ce film ce qui fait que du coup c'est une scène hallucinante parce que vous dites c'est les dernières images de Bella Lugosi ça reste euh, pour ça euh, fort de, de le voir quoi mais et, et sa technique est de dire, bon, bah, du coup, il, il tue Béla Lugosi hors champ. Genre, on entend un bruit de voiture, alors qu'on a juste un plan de Béla Lugosi qui sort, en fait, de chez lui. Et on entend un bruit de, de voiture, et hop, ça y est, il est mort. T'as la veuve qui dit, eh ben, il est mort. Et, euh, et ensuite, après, quand euh, Béla Lugosi ressuscité il va utiliser, ce qui est quand même le truc le plus naïf et le plus improbable du monde. Euh, et génial, du coup, parce que tu te dis, mais comment il, comment il a pu euh, faire ça au premier degré, en se disant, ça va passer. Il prend un mannequin, enfin, euh, un mannequin, non pas un mannequin, il prend un. Un acteur, ah oui, qui m'a dit c'était son practice, c'était son. C'était le, le chiropracteur de sa femme. C'est ça, donc il prend le, le chiropracteur de sa femme pour jouer, qui ne ressemble pas du tout à Bella Lugosi, il est blond, pour jouer Bella Lugosi, <laughs> et il se dit, ça va passer parce qu'il va avoir son costume de Dracula, et il va se cacher le visage avec sa cape, on verra que ses yeux. Donc du coup, Exactement. vous avez un mec dix fois plus grand, dix fois plus. Euh... Euh, dix fois plus blond, euh, dix fois plus en forme que Bella Lugosi, et qui se cache avec les yeux et qui est censé euh, raccorder avec Bella Lugosi. Vous, vous dites, c'est waouh et, et qui déambule dans des décors complètement différents. C'est ça. Oui. Non, non, c'est totalement hallucinant. Vous avez aussi la espèce de Vampirella là là qui euh, qui apparaît dans Vampira, le... Vampira C'est ça, Vampira. Vampira, qui est euh, pareil, une espèce d'actrice totalement avec un physique totalement improbable, très gothique, etc. Euh, c'est un peu la, la mère de la famille Adams quoi euh, non non c'est un film très euh, euh, bah, c'est un film qui a aucun sens hein, vous voyez le film chaque scène change par exemple vous avez une scène dans un avion mais c'est pas un avion c'est une pièce avec les mecs qui tiennent les volants et font croire que c'est qu'ils sont dans un avion enfin c'est ouais, un film mais... incroyable vous vous dites mais comment les mecs a fait pour euh, pour penser que ça allait passer quoi c'est c'est totalement fou quoi c'est ah, bah, la, ah bah, la cabine de pilotage avec les euh... Enfin, le cockpit hein, avec des, un rideau de douche euh, et euh, des espèces de plaques en bois pour faire les, les commandes euh, de l'avion euh, tu te dis fallait fallait le faire je crois que c'est le seul truc qui est fondamentalement choquant dans le film parce que tu sais oui, oui. c'est juste pas possible alors que bon bah euh, le reste du film on va dire le, le, le gros problème du film c'est le, les problèmes de raccord au jour nuit euh, qui sont totalement envoyés euh, au shot quoi parce que le as une séquence qui, qui commence euh, de jour, ensuite elle est, elle est de nuit, puis ensuite elle rebascule de jour dans un autre décor. Tu peux avoir une scène qui peut se passer dans trois décors différents et dans trois euh, espaces-temps euh, mmh. euh, différents. C'est hallucinant. Moi ce qui me tue dans le film, il y a un truc qui me fait toujours marrer, c'est qu'au début du film on voit deux, euh, deux fossoyeurs. Et les fossoyeurs sont joués par les, les producteurs du film euh, qui étaient en fait euh, pasteurs. Parce que le film a été, euh, a été, sponsor... a été produit par euh, l'église baptiste. Ce qui, est, ce qui est dingue quand il pense vu que c'est un film sur la résurrection des morts, c'est quand même. Oui. Euh, <laughs> c'est ça, c'est on dit qu'on est dans une époque totalement hallucinante où, euh, où deux pasteurs peuvent décider de produire un film d'horreur parce qu'à parce qu l'époque le cinéma en tout cas de série B euh, comme ça d'horreur est encore dans un système totalement euh, euh, totalement libre en fait quoi. Et... Apparemment, Wood leur avait promis euh, parce que eux, eux, ils voulaient faire des films sur les apôtres. Mais Wood leur a dit, c'est ce qu'on voit dans le film de Burton. leur a dit, oui, ouais, euh, vous faites un film d'horreur, ça va vous rapporter plein d'argent et ensuite vous pourrez produire, euh, euh, vous pourrez produire vos films. Euh, ah c'est un bon vos, commerçant. Vos, 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 vos films de, de sur les apôtres. Ouais, mais après, ouais, il y a le côté un peu euh, un peu schlock hein, qui arrive chez lui, hein, l'espèce de, de mec. Euh, Arnaqueur, mais qui s'est bien, bien euh, ouais, motivé. Oui, mais mais c'est le côté euh, William Castle, etc. C'est tous ces ouais. mecs-là. William Castle, qui est un, qui est un peu une sorte, qui est un, aussi un mec, une icône très connue de la série B de genre euh, américaine, qui était un type qui euh, vendait ses films euh, comme des, comme des, comme, comme des spectacles, etc. En fait, ils ont un côté, euh, ils ont un côté euh, arnaqueur de foire, quoi. Euh, ça fait partie du jeu. Du mais, euh, mais en même temps tu vas euh, me dire est-ce que c'est c'est pas des choses qu'on continue à faire c'est ah normal, normal, normal ça n'a rien à voir mais je réfléchis à, à ten Cloverfield que tout le monde que j'ai pas encore vu mais où tout le monde dit tout le monde me dit ça n'a rien à voir avec Cloverfield je me dis ok donc j'ai dis à a ça juste mis Cloverfield sur un film qui a un clio fantastique juste pour euh, juste pour faire un juste pour vendre son film donc je me dis finalement euh, ça continue à exister hein. c'est même Nicolas Cage récemment a fait un film produit aussi par pareil par des par des catholiques etc sur les, les <laughs> gens qui s'enfuient, euh, qui disparaissent dans un avion après l'apocalypse, etc. Donc, euh, Nicolas Cage, quand même. Hein. donc euh... ah, C'est un truc qui est sorti l'année dernière, là. Oui, c'est ça, oui. Donc, euh, oui. ce que je veux dire, c'est que le côté. Euh, pareil, c'est quelque chose que tu peux retrouver chez des gens beaucoup plus euh, euh, proches de toi, finalement. Chez, chez Ed Wood, il y a beaucoup de choses que tu peux retrouver chez d'autres gens, mais pas de manière aussi euh, euh, frontale, en fait. Mais c'est ça Oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que Plan 9. Euh... Apporte plein de trucs. Tu sens qu'il avait envie de faire son, son invasion des profanateurs enfin, de sépulture à lui, vu, par, vu la thématique. Tu sens qu'il a envie de mélanger le polar, encore une fois, avec le film, le film fantastique. Tu sens qu'il a envie de faire un film de vampire dans un film d'invasion, extraterrestre, Tu sens qu'il a envie de mélanger plein de trucs. Mais c'est juste que qu'il bah, n'a pas les moyens pour. Et. Euh mais il y a des trucs dans le film que je trouve assez euh, intéressants, qui ouais. marchent assez bien. Les, les, scènes, les scènes où les... il ressuscite, là, les, les morts ressuscitent, euh, avec la fumée et tout, tu dis. Ouais, euh, c'est pas, pas mal. Ça, ouais. ça, c'est des plans que des, certains réalisateurs tueraient pour faire maintenant, quoi. Euh, ouais, tout à fait. Je pense, assez... Mais bon. je pense au plan où tu Thor Johnson, justement, l'inspecteur clé, qui, qui revient dans le Les Morts, qui a un truc euh, assez iconique, tu vois, ouais, même si c'est si ouais. cheap, quoi. Les plans, de, les plans dans le. Dans le... Dans le, dans le cimetière C'est des trucs qui ont été reproduits Encore et encore par d'autres cinéastes C'est si bien des pros que des, oui, pour que ça. des, que, que des amateurs Comme s'ils voulaient re retrouver L'espèce de, de substantifique moelle De la poésie de, ça, Fantastique Est-ce que c'est -ce est parce que nous On a vu tous les films qui font référence Et qui utilisent euh, cette imagerie euh, quand et que, du coup quand on revoit ces plans maintenant, on se dit il y a quelque chose de poétique et très fort là-dedans. Ou est-ce qu'effectivement, on a euh, l'effet que ce que les réalisateurs qu on voulait reproduire ont voulu reproduire en disant il y a quand même, quand même quelque chose dans ces plans qui fait que euh, qui fait que ça, se, ça donne envie d'en refaire quoi. Ouais ou alors les mecs ils se disent euh, bon bah on n'a pas la thune pour refaire James Whale donc euh, on va refaire et tout. Oui non c'est ça aussi. Non, mais même parce que dans des gros budgets ou dans des choses comme ça, euh, maintenant les, je sens que qu'il y a quelque chose quand même qui, qui reste. Dans ce, et, et, mine de rien, c'est totalement n'importe quoi. On pourrait dire ce que tu veux sur c'est que c'est un nanar. Euh, t'as des scènes qui restent dans. T'as des scènes, comme t'as dit, ultra iconiques, qui du coup sont, euh, sont quasiment euh, ultra vendeurs et qui euh, restent dans ta tête. quoi. Et ça, mine de rien, c'est beaucoup plus que ce que euh, plein de séries de cette époque n'ont pas, en fait. Ouais, et puis même, je veux dire, il y a quand même une espèce d'inspiration, puisque euh, Edwood te donne, limite, limite les, les, des solutions techniques pour résoudre tes problèmes. Alors, c'est à toi ensuite, euh, en tant que jeune cinéaste, à les appliquer de manière euh, correcte, mais limite, il te dit, bon, ben, si vous n'avez pas d'argent, vous, vous pouvez faire ça comme ça. Après, il faut avoir le talent, euh, ça tout ouais. fonctionne, tu vois. Bah quand, quand par exemple, il, fait, il utilise la doublure de Bella Lugosi, moi, c'est vrai que c'est un truc. Qui est, pas, qui est arrivé sur des tournages de courts-métrages, etc., où un acteur est, euh, avec qui on a tourné toutes les scènes ne se pointe pas, et ben c'est dans ce cas-là, tu prends une doublure, tu lui mets un costume, euh, sauf que tu ne vas pas le montrer frontalement, et tu vas pas prendre un blond si tu as pris un brun, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que... tu, 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 tu Effectivement, c'est des choses que, qui te rappellent des choses que tu as, euh, des anecdotes que tu as eues en disant, eh, ben, moi aussi, des fois, j'ai fait mettre un costume à un mec pour faire des plans raccords, parce que j'étais mm -hmm. dans la merde et qu'il fallait bien terminer le film. Parce qu'il y a un moment donné... Quand tu... et tous les réalisateurs vont te le dire, à un moment donné, il faut terminer le film. Et oui, et, euh... puis, et même des fois, les, 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 la nécessité devient mère, on va dire, euh, euh, d'inspiration ou de solution. C'est ça. Alors, c'est peut-être ça le, le manque de talent d'Ed Wood. C'est qu'il n'avait pas le talent pour rebondir euh, quand il y avait des problèmes. Et le problème de, de quand on fait un film, c'est on passe son temps à avoir des soucis. Et il faut savoir improviser et faire autre chose. Et ça, c'est ce qu'on voit sur les plus grands réalisateurs, c'est des mecs qui ont improvisé devant les problèmes qu'ils avaient. Et, euh, et Edwood, lui, n'était pas capable. C'est-à-dire qu'Edwood, euh, il partait dans, dans un délire pas possible. Et du coup, on, on, on voit exactement les erreurs qu'il ne faut pas faire, du coup. Oui, et aussi le mec, il n'avait pas de recul. Je pense qu'il était tellement... Il était tellement, euh, il était tellement euh, euh, porté par sa vision, porté par... Euh par Ses choix et son envie fondamentale de finir son film et de le faire comme il l'entendait, que des fois ça occultait un petit peu le reste. Ouais, euh, ça, ça bon, alors du coup, bon, là, on a... après il y a trois autres films, non euh, un seul qui est réalisé par lui qui est The Sinister Hudge Après, ouais. euh, dans le coffret des BD, il y a un autre film qui s'appelle Take It Out Trade, mais qui est en fait juste un. Un, des, des rushs retrouvés d'un film érotique qu'il a voulu faire mais qu'il n'a pas terminé à la fin euh, et ensuite on a aussi Orgy of the Dead qui est un film produit par lui mais qui est vraiment euh, qui n'a aucun sens puisque c'est juste des scènes de striptease euh, totalement euh, de, dans des cryptes euh, donc mm. ça n'a aucun sens c'est des films beaucoup moins importants parce euh... que Plan 9 c'est quand même <coughs> le film qui, qui termine un peu sa carrière il y a quand même The, Sin the Sinister Huge sur lequel <coughs> on peut quand même revenir un tout petit peu, puisque c'est un film, euh, c'est son dernier film terminé en fait. Euh, très intéressant, très très intéressant. Qui ça. est un film sur un serial killer dans le milieu porno en fait. Euh, et qui est assez moderne finalement pour l'époque. Pour Exactement, tout à fait. Ouais, ouais. On a ensuite cette espèce de, ouais, de, 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 de tueur comme ça, obsédé par la, par la pornographie euh, qui tue euh, des jeunes filles euh, en général dans, dans, dans des zones boisées, comme ça dans la forêt. Et euh, on apprend derrière qu'il y a toute une histoire avec des producteurs de, de magazines porno, de magazines érotiques, tout ça, très intéressant. Et il y a une scène, moi qui m'a marqué, c'est une scène justement d'agression dans la forêt où, où carrément, où il déchire les fringues d'une fille et il va pour la violer, quoi. Il y a des choses assez, euh, assez dingues. Et tu sens que là, l'aspect exploitation est en train de glisser. Irrémédiablement vers quelque chose d'autre. Ouais. Redwood, c'est-à-dire bah, ce qu'on aura dans en... les années 70 quoi en fait. Exactement, bah, on va on va on va carrément embrasser la, la culture euh, série Z à fond euh, dans ce cas-là de plus avilissante c'est-à-dire bah, on va aller dans le dans le cul quoi. Ouais ouais oui parce que les... ce qui est intéressant quand tu regardes la carrière de Redwood et que tu la suis comme ça de manière presque historique un peu euh, comme un comme un comme un, un, un technicien, quoi. comme si tu l'analysais comme ça, comme un analyste, c'est que tu vois vraiment l'évolution euh, du cinéma d'exploitation, donc du cinéma bis, du cinéma donc, euh, euh, seconde zone, comme on l'appelait à l'époque, euh, mmh. et tu vois euh, effectivement comment au début on arrive à des, à des films euh, avec une, qui se gardent un côté moralisateur, euh, mais en fait euh, qui sont très cyniques, mais il y a quelque chose qui est quand même assez euh, poétique, assez stable assez encore qui veut des gens qui veulent faire du cinéma mais qui n'ont pas les moyens, pour arriver au fur et à mesure dans du cinéma d'exploitation, purement d'exploitation, on va de plus en plus aller dans euh, bon, le racoleur ou le, le, la violence en tout cas, et puis ça, ça, ça témoigne aussi de l'évolution de la société américaine qui se qui va passer dans des, modes, des choses beaucoup plus euh, violentes et beaucoup plus dures avec des sentiments de révolte et on voit franchement cette évolution en fait c'est à dire qu'Edward, Wood, un, on voit vraiment le, comment on passe de Glen ou Glenda un film sur la transsexualité mais qui se veut euh, moralisateur euh, à un film comme euh, The Sinister Hunts qui est euh, un, des un des films euh, qui, pré qui va prévisualiser tous ces films de serial killer à base de violeurs, de, de gens dans la forêt donc euh, qui va visualiser euh, la dernière maison sur la gauche, quoi. C'est ça. Et il y a encore un, un, un tout petit reste, un léger soupçon de, de voilà, justement, voilà, de film à message. On te dit, voilà, on va vous parler d'un film sur la société. Il euh, y, y a toujours les, le contrepoint des flics en train de dire, non mais pourquoi vous faites de la pornographie, pourquoi vous faites de l'érotisme, jeune fille Vous auriez pu être tellement brillante. T as toujours ce côté, euh, tu vois, histoire de dire, bon ben. On, on cautionne mais pas autant que ça, quoi. Ouais, c'est ça. Mais ça se réduit au fur et à mesure, quoi. Et ça va totalement se barrer après. Ah bah oui. Euh, oui. Mais bon, effectivement, un hein. mec comme Wes Craven, euh, il sort du cinéma érotique. Hein. C'est quelque chose qu'il a jamais voulu dire, mais c'était ça aussi. Euh, donc non, non c'est assez marrant de voir comment ça, Edouard, quand même, à traversé un peu ces époques-là et bon, a terminé dans la mouise totale, mais en tout cas, euh, a fait ses films euh, marquants, quoi. Euh, mmh. Bon voilà, en tout cas, c'est un coffret euh, que, que je recommande quand même pour tous les même pour les gens qui connaissent pas très bien Ed Wood ou qui le connaissent que à travers la vision romancée de de euh, Tim Burton, euh, c'est quand même un, un réalisateur intéressant et le en plus c'est des films assez courts quoi et euh, c'est des films euh, parfois assez touchants parfois en tout cas pour les amateurs de films de genre ça reste euh, ça reste à voir moi pendant longtemps je me suis mis à côté d'Ed Wood parce que moi ouais, franchement les films d'Anar ça me ça m'agace très vite au bout d'un moment. Euh, et, euh, et ces films sont beaucoup mieux que la réputation qu'on en dit. En tout cas, ils sont historiquement, historiquement beaucoup plus intéressants que ça, en fait. Bah, tu te rends compte, en fait, que quand tu regardes la production euh, fantastique des années 50, c'est que l'entre-deux euh, est insupportable. C'est-à-dire, soit tu vas vouloir regarder des vrais bons films, euh, bien faits, comme Planète interdite, ce genre de film, ou alors un film... Euh, fauché mais fait par Ed Wood le, et l'entre-deux est insupportable parce que l'entre-deux est ennuyeux en fait mmh. c'est ce, oui, oui. ce que je me suis rendu compte tu vas avoir une série B euh, en oui. noir et blanc pareil euh, ouais pareil euh, voilà et, 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 et qui, sont, qui sont des films très bavards en fait euh, avec des gens qui parlent et en, en général on te promet le monstre à la fin Ed Wood euh, il arrive quand même à te faire des films toujours un petit peu bavards et tout ça mais au moins où tu as, as des trucs qui se passent c'est ça c'est parce qu'en en fait euh, euh, tous ces films de série B de l'époque n'a beaucoup que t'oublies très rapidement quand tu les oui, as en ils fait. se ressemblent, hein, ce qui se ressemble tous. Ils n'ont pas grand-chose à dire, ils prennent pas de risques. Donc euh, voilà en fait. Et Edoule, avec sa folie, espèce d'honnêteté et de, euh, de regard totalement frontal et pas du tout décalé sur la réalité, euh, mine de rien, il a, il, il a cassé, il a, il fait que. Du coup, je t'en rappelle. Et mine de rien, l'un des intérêts quand tu fais du cinéma de genre, quand tu essayes de voir un film de genre, c'est de voir un peu la folie qui, qui va déteindre sur le film. Et c'est là où on se dit que. C'est intéressant, Edouard, parce que tu te dis est-ce que finalement, euh, un artiste, c'est quelqu'un qui, qui réussit et qui fait un bon film, ou est-ce que c'est un mec qui arrive à, euh, à faire déteindre quelque chose sur son film qui fait que tu vas t'en rappeler, en fait C'est ça, c'est ça, tout à fait, ouais. Euh, moi aussi, je recommande le coffret absolument, parce que c'est l'occasion justement de, de voir. Tout ce qui a été fait, tout est regroupé euh, sur un seul coffret. Hein. Il y avait eu déjà plusieurs éditions de plusieurs films un peu partout ailleurs. Mais là, là vous avez tout, on va dire, centralisé. Et c'est vrai que, bon, outre les, les longs métrages que moi j'avais déjà vus auparavant, j'étais très très content de voir euh, Sinister George et The Violent Tears que j'avais jamais vus et qui ont été des, des bonnes petites surprises. Et tous les courts métrages, tous les pilotes de séries télé où on a quand même quelques petites pépites, quelques trucs fascinants l'interview de Lugosi qui sort euh, de désintox euh, que vous pouvez voir sur internet aussi mais qui est justement là les sous euh, et euh, vous avez le temps de vous poser pour bien la regarder et vous vous rendez compte que c'est quand même un document euh, assez touchant en fait ouais exactement exactement ouais. bon ben bah, voilà c'est sur ces paroles bonnes paroles que nous des bonnes paroles d'évangile euh, qui produisent des films d'horreur qu'on va euh, qu'on va terminer cette émission cette ce premier pilote euh, bah merci d'avoir participé, Fabien. On va voir ce que ça donne. Et puis on va. Euh... Ben merci, merci à toi. Mais de rien. Euh... <laughs> de rien, c'était gratuit. Euh, donc <laughs> on va euh, on va terminer. Donc le coffret à doute, c'est Backfilm et c'est sorti depuis déjà quelques semaines. Et puis nous on va se retrouver pour deux nouvelles émissions. Euh, normalement l'œil de l'intro vous pouvez le retrouver sur iTunes euh, dès que iTunes aura validé notre RSS là. Et ensuite, euh, bah, on va faire quand même une petite version YouTube avec euh, peut-être des extraits vidéo, etc. Et on essayera, et évidemment, sur SoundCloud aussi. Donc voilà, vous avez plein de moyens de nous regarder. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous, nous demander si vous voulez qu'on parle de certains films rétro ou de certains sous-genres euh, d'exploitation. Pourquoi pas, euh, on pourra y revenir plus tard. Voilà, bah, je vous dis à bientôt et euh, on se retrouve très bientôt pour des nouvelles émissions euh, Cinefest, ou, ou Backcast. Au revoir. À très, à très bientôt.

Al, you've got to be kidding! I haven't got the time to break any newcomers. Would you do this boy a favor? You better back up, pal! Your move, creep.